Premier ministre canadien, Justin, il a gagné pour annoncer l'autre disposition qui pral prend concernant soutien yo te gagné pour yo te capable pote bay Haïti dans cadre insécurité. Yo l'autre bon, l'ONU réussit rivé tirer une conclusion de problème qui gagné là. Des GPNH là bon côté Pali te fait une rencontre avec ambassadeur français Fabrice qui dans pays d'Haïti, il t'est arrivé rencontrer ensemble avec. N'a pas rappelé que la France bon côté Pali t'a envoyé yon bande militaire pour capable aider messieurs dans l'académie pour former unité spécialisée yo dans cadre insécurité qui gagne là. Yo te gen tan fin pran formation et yo te gen tan tire conclusion dans même dossier formation an. Et c'est même moment ça yo te fait gros cérémonie et bien DGPNH nan yon l'autre fois encore rencontré avec ambassadeur français qui dans pays d'Haïti yon l'autre fois encore toujours dans même cadre insécurité pays d'Haïti. Nous pral développer tout point ça yo, mais avant nous doit saluer. Weekend lié, n'a dit bon weekend. Ou même qui gagne pour toucher volant, ou ap boue pas toucher. Ou ap touche le tout, pas boue zami parce que précaution pas capon. Nous saluons ou même zami fidèle nous, restez connecté avec nous, c'est petit bouton abonné à wap pesé. Ça pas en pile, li pas compliqué. Là pral retirer petit cloche là sous personnalisé, ou pral mettre le sous tout et wap restez connecté avec nous net alcool les amis sous channel si là. Premier ministre canadien a gagné pour yo prendre l'autre disposition. Disposition que y a gagné pour yo prendre, c'est pour yo capable annoncer disposition ça yo qui concernant soutien que yo te gagné pour yo te capable porter bay Haïti dans causer insécurité qui les même journée jeudi a bay en pile problème dans pays. Premier ministre là gagné pour annoncer ça yo pour parler sous cause aide qui gagne pour porter bay Haïti pour capable résoudre crise qui gagne là lors de yon participation qui a gagné pour fête 15 à 16 février Nassau Bahamas. Ariel Henry a gagné pour présenter une série de données qui capable bay information sous cause qui gagne de insécurité haïtien et yo pral plaider tout. Premier ministre le gagne pour plaider en faveur de Haïti nan moment yo pral rendre nan Nassau Bahamas 15 et 16 février qui a venir là. D'après ça qui te dit nan réunion chef gouvernement CARICOM. C'est comme ça en pile l'autre bagaille a parler toujours dans le cadre de crise qui gagne en Haïti. Franz Elbert rencontre Fabrice, qui lui-même c'est ambassadeur français. Il a fait un petit parler, côté rencontre ça, il a tiré quelque chose, conclusion, qui lui-même pas prend la rue, mais il a rencontré. L'ONU, bon côté Pali, récit tire une conclusion. Là, nous disons que l'ONU tire une conclusion. D'après un rapport que l'ONU même fait sur Haïti, dans la conclusion que vous-même avez tiré, vous jouez que les choses pas fin trop normal. Ça, c'est le cauchemar que les Haïtiens vivent là, journée jeudi. Et vous prenez disposition de côté de pour être capable de mettre fin avec le cauchemar que les Haïtiens vivent journée jeudi. Ça, c'est déclaration Volker qui lui-même, c'est le commissaire. Nations Unies aux droits de l'homme qui lui-même te bouclé mission li vendredi qui s'est passé là qui lui-même te 10 février 2023. Dans conclusion que yo tiré, yo pral wè comment yo capable aider Haïti ainsi que Haïtien yo sorti dans cauchemar qui gagne journée jeudi. D'après yo même conclusion ça yo tiré hein, yo pral wè comment yo capable aider pour yo capable mettre Haïti sous yon l'autre pente parce que jounen jodi an côté Haïti là selon yo même li pas bon du tout. Haïtien yo a vive cauchemar ça pas bon pour Haïtien yo. D'après Walker qui li même boucle mission li dans pays d'Haïti dans vendredi 10 février 2023
ces déclarations ça. Yo réussi rivé tirer une conclusion. Et conclusion si là, yo ouais que haïtien yo pas dans bon condition parce que bagay yo vraiment compliqué. Toujours dans même cadre ça gagne pour gérer avec cause institution yo dans pays d'Haïti pour capable gérer en pile crise qui gagne dans pays et pas seulement insécurité, gagne grand goût, gagne la vie chère, gonta de bagay qui pour gérer. Comme ça tout au sein de institution yo, en pile changement rivé fait. Dans PNH lan, pral gen installation yon nouvel responsable tête direction logistique PNH lan. Commissaire divisionnaire Marjorie Saint-Jean, c'est lui-même qui installé vendredi 10 février 2023 dans tête direction logistique PNH lan. Et li remplacé Alain Auguste qui lui-même passé à poste directeur central de la police administrative. Qui donc c'est retirer, mettre, remplacer, retirer, remplacer immédiat, c'est comme ça bagaille en fait au sein de l'institution PNH. C'est même Jean tout nous pral raconter au qui laisse moun qui t'a fait installation ça. C'est inspecteur général Jean-Yonel Tressil qui t'a procédé à installation si là. Côté installation ça te gagné plusieurs autres personnalités qui dans cadre institution policière là. Te gagné plusieurs cadres, là nous dit plusieurs cadres, nous dit te gagné plusieurs hauts gradés qui au même té là dans moment installation ça au commandement yo, yo té bel et bien présent pour yo té capable garder comment Jean-Yonel Tressil t'a installé commissaire divisionnaire Marjorie Saint-Jean dans tête direction logistique PNH là. Qui est Marjorie Saint-Jean yé qui parcourt au sein de PNH là. D'après quelques recherches, nous joignons que Marjorie Saint-Jean gagne un parcours qui très long dans PNH là. Dans quelques propos avant même nous raconter qui est monde qui Marjorie. Dans quelques propos, inspecteur général Jean-Yonel l'a exhorté membre personnel qui affecté à direction logistique là pour yo capable travailler en collaboration avec responsable là qui c'est Marjorie parce que gagnen yon moun qui fait cap diriger ou qui remplacer un supérieur que ou te gagnen déjà c'est toujours difficile. Eh bien li mandé pour employer sa yo pour même yo même encore capable prendre disposition pour capable collaborer avec Marjorie Saint-Jean dans respect pour yo capable bailler plus bon résultat dans cause logistique PNH. Marjorie, c'est ancienne directrice administration pénitentiaire dans l'année 2012 à 2015. Commissaire divisionnaire Marjorie Saint-Jean l'y réjouit pour le capable responsable journée jeudi en direction logistique PNH là. L'y content parce que yo fait choix de lui en tant que moun qui pral responsable journée jeudi. Li même parcours li nous dit ou de 2012 à 2015 commissaire divisionnaire là Marjorie Saint-Jean li même li était directrice administration pénitentiaire et li réjoui pour capable vinn DG journée jodi an et DG PNH la France LB li fait connait que li même li engagé pour capable poursuivre effort moun qui était là avant là chef qui était là chef précédent qui était là avant là pour capable travail pour bail bon résultat dans capacité que li même li gagne capacité opérationnelle PNH là li prêt pour continuer bail bon résultat. Ces mêmes gens Marjorie Saint-Jean parcours tellement long au sein de police nationale d'Haïti li occupé différentes fonctions côté que fonction ça tellement en pile il était assistante directrice départementale du Nord 2017 à 2021 avant de transférer lui dans inspection générale dans Grand Nord comme assistante du responsable. Eh bien journée jeudi après li bay en pile bon service dans institution il a choisi installer lui comme responsable en tête direction logistique PNH là. C'était ensemble d'informations ça yo que nous t'ai porté pour vous dans la caillou zan. Nous pas dire ou bye bye et nous pas dire on aller.
Nous seulement dire ou n'a tourné pour une autre vidéo côté ou même ou pral prendre patience et nous dire merci ou même qui sont amis fidèles ou même qui fait tomber sur channel si là restez connecté ensemble avec nous et nous dire bienvenue ou même qui déjà pesé petit bouton abonné nous dire ou bye bye n'a tourné pour une autre vidéo songez weekend lié ou même qui aboué ou pas doué précipiter.